Ce pays refuse la majorité des demandes de visa Schengen. La France et l'Allemagne se classent parmi les pays européens recevant le plus de demandes de visa Schengen. Cependant, leur taux de rejet diffère, notamment pour les citoyens indiens. Avec la Suisse, ces deux pays figurent parmi les destinations les plus prisées par ceux qui souhaitent voyager en Europe. Pourtant, un nombre élevé de demandes n'assure pas un taux d'approbation proportionnel. Flux de demandes en 2023. En 2023, 309 602 demandes de visa Schengen ont été déposées par des Indiens en France et en Allemagne, représentant près du tiers de toutes les demandes soumises par les citoyens indiens à la zone Schengen. France, 176 237 demandes, faisant du pays la destination principale. Allemagne, 132 825 demandes, plaçant l'Allemagne en seconde position. Cependant, le traitement des dossiers révèle des différences notables dans la gestion des deux pays. Le taux de rejet des visas en France atteint 17%, plaçant le pays 15e parmi les plus réticents à accorder des visas aux Indiens. Sur l'année, 29 866 demandes ont été refusées. Cette politique rigide pourrait freiner l'attractivité du pays pour les voyageurs indiens. L'Allemagne affiche une approche plus souple. Avec 89,5% de taux d'approbation, elle se classe au deuxième rang des pays les plus ouverts aux Indiens, juste après l'Islande avec 95,4%. Les nouvelles règles européennes visent à faciliter l'obtention de visas pour les voyageurs réguliers en proposant des visas à entrée multiple sur une plus longue durée. Ces mesures devraient encourager plus de touristes et professionnels à visiter l'Europe. En conclusion, l'harmonisation des politiques au sein de l'espace Schengen devient cruciale pour éviter les disparités. Une meilleure cohérence entre les États membres renforcerait la confiance des voyageurs et améliorerait l'expérience des demandeurs.